Quel est votre premier souvenir? Le mien se passe quelques mois avant mon 13e anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant a disparu. Disparu pour toujours. Je ne me souviens plus de rien. Cher Mimi, cette lettre risque de te surprendre. Ton père a décidé de couper les ponts avec moi, il y a 20 ans. Une décision que j'ai fini par comprendre, sans jamais l'accepter. Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Quand tu la liras, je ne serai plus là. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs et une lettre. J'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure comme lors de ta dernière visite en Dordogne. À jamais auprès de toi, Nora.
Et il faut qu'elle se brosse les dents. Elle tente toujours d'y échapper. Fabrice, j'ai déjà élevé un enfant. Je suis contente qu'elle soit avec moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. C'était avant notre déménagement aux États-Unis. 1982, je crois. On doit y aller. Mimi? Mimi? Oui? Viens dire au revoir. Oh.
Je ne sais pas, on aurait dit un vieux truc et... Bien sûr que c'est vieux. Je l'avais avant la naissance de ton père. Je pensais que... Mais... Thank you.
Je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours, loin de chez moi. Thank you.
m'enregistre. Pourquoi t'enregistre? Je veux t'entendre quand tu trouveras. Quand tu résoudras ma petite énigme. D'accord, d'accord, allons-y. D'accord, alors. Je suis frais quand je suis chaud. C'est facile. Forcément, quand tu connais la réponse. Celle-ci est vraiment facile. Laisse-moi une seconde. Frais, chaud. Une maison en pierre? Non. Notre maison reste fraîche quand il fait chaud dehors, c'est pour ça qu'on l'a achetée. Ce n'est pas la réponse que j'attends. Alors, tu veux un indice ou... Le pain. Le pain est frais quand il sort chaud du four. Ah, bien joué. Très belle énigme, j'adore. Regarde, il y a une place juste là. On a beaucoup de chance. Chaque fois qu'on vient ici, on trouve une place pile devant la porte. Tu parles d'une chance. On trouve une bonne place à chaque fois que nous allons à l'hôpital. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon, allons-y. Est-ce que tu peux imaginer à quel point on sera triste sans ça? Sans quoi? Ce son. Écoute-moi ce moteur, écoute comme il ronronne. Edouard, enlève ta tête du pot d'échappement ou il va te remplir ton crâne tout vide. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'enregistre le murmure du moteur. T'enregistres un moteur de tracteur? Au milieu du plus beau champ de coquelicots que t'as jamais vu? Mais ces moteurs vont disparaître, Nora. Je dois les sauver, pour les générations futures. Est-ce que tu crois vraiment que nos petits-enfants auront moins de bruit de moteur? Bien sûr. D'ici 20 ans, peut-être plus tôt, les voitures seront silencieuses. Et elles voleront, c'est ça? Pourquoi pas? Nous sommes nés avant les frigos, les congélateurs et les machines à laver. Je retourne à la table de pique-nique. Un jour, elle comprendra qu'elle a tort. Thank you.
Elle aurait dû se mettre à crier, mais elle m'a simplement donné quelque chose. Mamie, je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi. Elle aurait dû se mettre à crier, mais elle m'a simplement donné quelque chose. Mamie, je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi. Je m'en souviens maintenant. Nous marchions vers la rivière. Elle parlait pas. Perdue dans ses pensées. Mon père détestait quand moi aussi je faisais ça. Il devait sans doute ressentir la même chose pour sa mère. La rivière, les cailloux, l'eau très froide, la Dordogne. Nice.
Des lettres du passé, des poèmes, des photos, des cartes postales. Hein? C'est quoi ça? Oh, ça doit être le chat de Nora. Peut-être qu'elle a faim. C'est quoi ce bruit? Je ferais mieux d'aller voir. Comment as-tu... Je vais t'aider. Arrête de bouger, toi. Salut, toi. Oh, oula, non. Aïe. J'ai déjà été plus courageuse. Elle doit avoir faim. Et il me faut cette clé. Thank you.
Qu'est-ce que c'est? Oh, tu es debout. Je partais travailler un peu au jardin. Tu veux bien m'aider? Ok. Y a quoi dans cette pièce? Rien d'intéressant pour toi. Habille-toi et viens dehors. Et brosse-moi donc ces dents. Oh. Zut. Oh.
cette maison. Est-ce que je m'y plaisais? J'y venais, mais mon père et mamie se sont peu à peu éloignés l'un de l'autre. Je l'ai remarqué à l'époque. J'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Et ils en ont jamais parlé. C'est pour ça que je me rappelle pas cet été-là. Mesdames et messieurs, le train va bientôt quitter le quai. Chérie, est-ce que tu sais... Qu'est-ce que tu fais? J'enregistre un message pour le train. C'est une excellente idée. Pourquoi tu me regardes comme si je découvrais que tu me trompais? Non, je sais pas. Je me sens idiot de faire ça. Édouard, mon amour, tout ce que nous faisons est idiot. Tu joues avec un train, je gribouille des bâtiments impossibles. C'est ça, la retraite. C'est pas vraiment ça, la retraite. Et tu le sais. Pour moi, ça l'est. J'ai enfin du temps à consacrer à mon mari et à mon fils. Qu'est-ce que tu cherchais? Mon stylo plume. Ton stylo... Celui qui est dans ta poche avant? Ma poche à... Oh oui. Celui-là.
Nous avons quitté la maison. Nous nous sommes promenés ensemble. C'était le bonheur. Nora a parlé de sa vie, de ses voyages. Elle avait laissé des morceaux d'elle ailleurs. Je l'aimais énormément. Je peux l'avouer désormais. J'adorais cette femme. Quelle intelligence, quel charme. Et oui, elle avait parfois un peu de tristesse dans le regard. Thank you.
disait parfois que je ressemblais à Nora quand je rêvassais. Il détestait ça, évidemment. Il n'appréciait pas trop sa mère et il n'a jamais expliqué pourquoi. Thank you.
T'as l'air de bonne humeur, ma chérie. J'étais en train de me souvenir de notre voyage à New York. L'Empire State Building et tout ça. Ah, ça faisait du bien de partir d'ici. Tu n'arrêtais pas de penser à ton jardin et à tes fleurs. C'est pas vrai. Peut-être que si, un peu. J'aurais aimé que Fabrice vienne avec nous. Il aime tant les États-Unis. 2 semaines avec ses parents dans un petit hôtel de Brooklyn, c'était sans doute pas le genre de vacances qu'il aurait voulu. Disons que ça nous a épargné quelques disputes et... Et ? Non, rien. Je me disais juste qu'il me manquait. Même s'il a ta personnalité. Oui, il est... Attends, qu'est-ce que tu sous-entends ? Rien. Reviens ici. Regarde, tu as fait peur au voleur. Il a lâché son sac. Waouh, il y a tout ce qu'il a volé là-dedans. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'elle connaissait le voleur. Et si tu rapportais tous les objets volés?
Je suis sûre qu'il serait ravi. Bonne idée! Merci, Mimi! Bien joué, Mimi. Rentrons maintenant. Je me rappelle bien le plaisir d'aider les autres, de donner de son temps pour autrui. Pourquoi j'ai oublié tout ça? Thank you.
Bien sûr. Bonjour. Ça enregistre. Alors, Edouard, dis-nous comment tu te sens. Fatigué, mais soulagé. Fatigué parce qu'on a passé les 4 dernières heures à écouter la docteure la plus ennuyeuse du monde. Et soulagé parce qu'elle nous a annoncé une bonne nouvelle. Enfin. Rémission totale. Rémission totale. Totale. Complète. Ce qui veut dire que l'on peut organiser Noël pour avoir Mimi avec nous. Ce serait merveilleux. Tu peux arrêter le magnétophone? Pourquoi? Je ne sens pas bien. Tu peux arrêter la voiture, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Je vais vomir. Nice.
Trop bien. Pardon, la porte était ouverte et... Pas de problème. Cet endroit est... très particulier. Ton grand-père et moi nous en servions pour nous exprimer. Depuis sa mort, je l'ai gardé pour moi toute seule. C'est un peu comme un temple, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas très sain, je crois. Les lieux, les objets, ils devraient avoir plusieurs vies. Tout comme ce magnétophone que tu as trouvé. J'aurais dû demander. Peut-être, mais il est à toi maintenant. Est-ce que tu voudrais venir m'aider à réparer le kayak? Oui! Les lieux, les objets devraient avoir plusieurs vies. À ma grand-mère. Oh, une journaliste! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mamie, qu'est-ce qu'un translatoire? Un transplantoire. Ah, un transplantoire est une petite pelle. Une pelle à main, si vous voulez. Parfait! Celui-là a une drôle d'histoire, d'ailleurs. Ton grand-père l'a acheté et dès le premier jour l'a perdu. Il est resté enterré 6 mois dans le sol. Comment l'avez-vous retrouvé? Eh bien... il préparait un carré de potager avec mon transplantoire quand il est tombé sur celui qu'il avait acheté. Quelle histoire! Merci, mamie. C'était Mimi, reporter extraordinaire. Okay.
Hop, 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 hop. Alors maintenant, passons à la météo dans le sud-ouest. Il fera encore chaud jusqu'à la fin de la semaine, avec des températures pouvant monter jusqu'à 36 degrés. Alors, profitez-en, parce qu'une dépression venue d'Angleterre va arriver dans quelques jours. Ah, on est bien. Oh, Saul, on est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai vu quelque chose dans la forêt. Je peux aller voir? Ce n'était sans doute qu'un chat, mais vas-y, pas de problème. Fais-toi plaisir. Merci.
que je prenne une photo. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi, ici. Interdit d'accès. Mais t'es le voleur du marché, toi. Je suis pas un voleur. Redis jamais ça. J'emprunte, c'est tout. Tu empruntes? Vraiment? Je leur rendrai leurs affaires, avec des intérêts, quand j'aurai trouvé le trésor du coulobre. Le coulobre? Un dragon géant, qui dort au fond de la Dordogne. Il surveille un immense trésor. De quoi rembourser les gens du marché, bien sûr. Assez pour être apprécié de tout le monde, tu verras. Tu penses que t'as besoin d'aide? Faut retrouver le trésor, je veux dire. De l'aide? Tu viens de la ville, c'est ça? Comment une fille de la ville pourrait m'aider à trouver le coulobre? Je suis une aventurière! Ha! Me fais pas rire. Si j'étais pas une aventurière, je serais sûrement pas montée ici toute seule. D'accord. D'accord. Il faudrait peut-être que je te teste. Me tester? Il y a une énigme là-dedans. Si tu la résous, je verrai si t'es digne de confiance, citadine. Mais d'abord, attrape! Ah! Qu'est-ce que... Mimi, tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais pourquoi t'as fait... Il est plus là. On se retrouve dans mon antre secret demain, si tu résous mon énigme. Thank you.
Okay.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans... Des livres nuls en août. Avec ma co-animatrice Mimi, aujourd'hui nous allons parler d'un livre que tu as dû lire. Oui, papa m'a forcé à lire un livre cet été pendant que j'étais ici en Dordogne. Problème numéro 1, le livre est ennuyeux. Problème numéro 2, mamie a vraiment voulu que je le lise. Enfin, je n'ai fait que mon devoir. Pourquoi tu ne racontes pas l'histoire? Le livre parle de François, un garçon qui est obsédé par un autre élève de son école, le super cool et grand Maulne. François fait rien à part suivre Maulne, qui, lui, fait des trucs super cool, genre se balader et explorer des châteaux. Comme j'ai dit, c'est vraiment ennuyeux. À un moment, Maulne arrive à se marier, mais il quitte sa femme. Oh, pas très sympathique. Non. Après, François s'occupe du bébé. C'est... J'y connais pas grand-chose en garçon, mais je pense pas qu'il irait s'occuper du bébé d'un autre. Quelle est ton opinion générale sur ce livre? J'ai pas trop compris ce que papa y voit. C'est un classique? Peut-être que c'est un classique parce que personne n'a dit à voix haute que c'était pas terrible. Très bien. Il est temps de dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Salut! À la prochaine! J'étais vraiment insouciante, partie à la rencontre d'un voleur de 10 ans. J'ai l'impression de me rappeler la vie de quelqu'un d'autre.
Je suis pas un voleur. Aider, hein. Je croyais que t'étais une grande aventurière. Je le suis. Waouh, c'est vraiment, vraiment très chouette. Je sais. C'est des trucs que j'ai récupérés ces dernières années. Et t'as encore rien vu, cocotte. J'ai un truc encore mieux. Encore mieux? Tu as des livres, des cannes à pêche et une vue superbe. C'est vraiment incroyable. Regarde-moi ça un peu. Je peux tricher en cours et je peux même enregistrer jusqu'à 10 numéros de téléphone. 10! Sérieux? Je peux l'avoir? Non, je préfère pas. C'est un cadeau de mon professeur. Oh. Mais c'est un secret. Par contre, t'en parles à personne, ok? T'as beaucoup de chance, Renaud. Et j'en parlerai à personne. Merci, Mimi. C'est très gentil.
K. C'est trop, trop beau. Les premières étoiles vont bientôt apparaître. Oh non! Je dois y aller! À demain! Parce que demain, on part à la chasse aux couleuvres! Entendez, tu me fais passer pour un monstre. J'ai travaillé, Fabrice, et... Non mais dis donc, on ne parle pas comme ça à sa mère. Mimi n'a rien à voir là-dedans. Elle se débrouille toute seule et elle s'amuse ici. Et re-salut! C'est Mimi, votre reporter extraordinaire! Qu'est-ce qui se passe? Mamie, on voulait avoir une discussion avec vous sur un sujet difficile. Un sujet difficile? Oui, le peuple de France veut savoir! Savoir quoi? Mimi, je dormais! Il est 16h, c'est l'heure du goûter! Où sont les biscuits? Les biscuits? Des biscuits ont été promis. Ça, c'est de l'excellent journalisme. Me réveiller pendant ma sieste et hurler dans mes oreilles? Mamie! Très bien, très bien. Allons faire des biscuits. En route pour la cuisine. Et pose ce micro, je vais avoir besoin de toi pendant la préparation. C'était Mimi, reporter extraordinaire, qui a encore résolu une crise de goûter pour la France. Mimi! J'arrive!
Il faut que j'y aille! Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais dehors, avec un copain! Un copain? Il faut que j'aille voir, histoire d'être rassurée. Et...
Tu vas où? À la maison. Je dois rentrer pour manger. Ah, d'accord. Tu devrais pas aussi rentrer chez toi? Non, tout le monde s'en fiche de moi. Je vais rester ici, je crois. Hé, on continuera les recherches demain, d'accord? Ok, d'accord. Mamie? 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 Quoi? Oh. On peut inviter mon ami à la maison, s'il te plaît. Allez, il est tout seul et il doit avoir faim. D'accord, d'accord. Et si nous pique-niquions dehors? C'est très joli et nous pouvons faire quelque chose de simple. Un pique-nique! Super idée! Ouais! Elle nous a supportés, moi et mes lubies. Elle aimait ça même, j'ai l'impression. Ça doit être tellement réconfortant d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Quelqu'un qui dit oui à toutes nos idées idiotes, à nos moindres caprices. Thank you.
Nora connaissait Renaud. Et il connaissait mon grand-père. Il s'est passé quelque chose de pas clair entre eux. Je m'en rends compte désormais. J'ai couru si vite. Et si longtemps que... j'étais plus en colère. Je me sentais seulement vide. Et triste. Pourquoi ? Pourquoi ? J'en ai marre de cette famille ! Je dois me calmer. Je dois me calmer. Le classeur. Bonne idée, Mimi. Bonne idée.
La pluie avait changé le monde autour. Je me rappelle l'odeur, la boue, le chemin que je connaissais comme ma poche depuis tout ce temps avait changé. Je ne pensais plus qu'à une chose, réparer la montre, réconcilier Renaud et Nora.
essayer de couler mon kayak? Tu l'as pas fait exprès. Je comprends. Je t'en veux pas. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je crois que je me rappelle. Mimi! Mimi! Oh non! Mimi! Noyée ici. J'ai failli mourir. J'avais tout oublié. Attends.
Chère Mimi, je pourrais te dire à quel point les jours passés ensemble me manquent. Je pourrais pleurer et me lamenter sur la splendeur de cet été-là et de tous ceux qui auraient dû suivre. Ces années où ton père t'a éloigné et tenu à l'écart ont été difficiles et solitaires. Je te l'avoue, Mimi. Je n'ai cessé de penser à ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû dire. Mais le passé est le passé. Ce qui est fait, est fait. Oh, Mimi, ma chère Mimi. J'aurais aimé pouvoir te dire tout ça en personne, plutôt que dans cette lettre. Je te l'ai déjà dit, les lieux, les objets, les gens ont plusieurs vies. La vie est une histoire longue et fragile, et il te faut écrire la tienne. Explore ta vie comme s'il s'agissait d'une belle vallée par une chaude journée d'été. Enregistre les couleurs et les sons qui t'entourent, comme tu le faisais autrefois. T'es sûr que c'est le même chat? Je suis sûr à 100%, je te jure. Inspire profondément avant chaque défi et après chaque réussite. Et surtout, n'hésite jamais à parler de ta vie, des bons moments et des mauvais. Partage-les sans restriction. Ma très chère Mimi, je suis désolée, je suis reconnaissante et je pars heureuse. Ta Nora. Twice as what it poses. It's so new. What else can you do?